Salut, je vous ai manqué? Ça fait un mois quand même que j'ai pas sorti de vidéo. La vidéo qui avait le mieux marché sur ma chaîne l'année dernière, c'était prendre l'avion le moins cher du monde. J'ai décidé d'aujourd'hui prendre une nouvelle fois le vol le moins cher du monde, mais en première classe. Oui, on a fait de l'argent un peu entre temps, vous avez remarqué. Avant on était sur le vol le moins cher, aujourd'hui on est sur le vol première classe le moins cher. Alors moi j'y connais rien en vol première classe d'avion etc. Et je suppose que pour 99,9% d'entre vous, c'est pareil. Alors je vais vous éclairer un peu. Un vol d'avion en première classe, on a le droit à un service de fou. On a des gens qui s'occupent de nous hyper bien, on a accès à un lounge dans l'aéroport juste avant qui est spécialisé pour les gens qui ont la première classe. On a un peu tout ce qu'on veut en fait, on mange des super repas, on peut boire du champagne, etc. On a un siège qui est incroyable dans l'avion, mais tout ça, ça a un prix. Et le prix à payer est très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, un vol première classe normal, déjà c'est fait que sur des longs trajets, c'est-à-dire qu'on n'a pas un Paris-Londres en première classe, hein, ça n'existe pas parce que c'est des vols qui sont trop courts. Et au niveau du prix, c'est très difficile de trouver en dessous de 5 000-6 000 euros. C'est pour ça que ce sont que des gens extrêmement riches qui prennent la première classe, ou alors des stars, des footballeurs, etc. Aujourd'hui, on va goûter à ce semblant de luxe en prenant la première classe la moins chère. Vous doutez bien que la première classe la moins chère m'a quand même coûté beaucoup d'argent, bien plus qu'un vol classique. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par iGraal. iGraal, c'est à la fois un site, une application et une extension gratuite qui permet de rembourser une partie de tous ses achats sur plus de 1700 sites marchands. Ça s'appelle le cashback. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un achat en utilisant iGraal, je vais avoir un peu d'argent qui va être ajouté à ma cagnotte. Et dès que je dépasse 20 euros de cagnotte, et ben je peux demander un virement. Alors attendez, je vais vous montrer ça sur mon ordi. Par exemple, le meilleur moyen pour pas passer à côté de cashback, c'est d'utiliser l'extension iGraal. Elle est dispo sur Chrome ou sur Firefox. Et à chaque fois que je vais être sur un site marchand, ça va le détecter. Vous voyez là, j'ai l'extension, je vais cliquer sur activer. Ok, je vais chez le marchand. Et voilà, directement, on voit cashback activé, jusqu'à 7% de cashback. Le cashback, c'est cumulé, donc c'est en plus des promotions qu'il peut y avoir sur un site, ou même des codes promo. Si c'est possible, c'est parce qu'à chaque fois qu'on fait un achat en utilisant iGraal, le marchand, il donne une commission à iGraal, et iGraal nous reverse une partie de cette commission. C'est un petit service comme ça qui est sécurisé et qui est très utile parce qu'on peut l'utiliser tout le long de l'année, même ponctuellement, si je fais un achat une fois par-ci par-là. Petit bonus, si vous vous inscrivez sur iGraal en utilisant mon lien dans la description, dès que vous allez créer votre compte, vous allez avoir 10 euros sur votre cagnotte au lieu de 3 euros normalement. Allez, description. J'ai donc cherché pendant des heures sur la plupart des sites de comparaison de vol pour finalement trouver le Saint Graal, le billet d'avion le moins cher sur de la première classe. Ah oui, et pour faire durer le suspense et le watch time, je vous dirai combien j'ai payé à la fin de la vidéo. On va donc partir le mardi 28 janvier de Paris, direction Dubaï. J'ai la confirmation du vol sous les yeux. Il manque plus qu'à y aller. Je suis désolé, je suis trop excité, mais voilà, on est le 25 janvier et dites-vous que dans 3 jours à peine, je vais voyager en première classe, et ça, c'est stylé, ça arrivera sans doute qu'une seule fois dans ma vie. C'est fou YouTube, j'ai trop hâte. Allez, à dans 3 jours. Bonjour à tous, il est 6h36 du matin et je viens d'arriver à Charles de Gaulle. Je suis épuisé parce qu'en fait j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis au terminal 2C. Et j'ai juste le check-in à faire chez Emirates qui est juste là-bas. Vous savez où se trouve le SAM Emirates? Non. Alors pour passer la sécurité, ce sera après la pharmacie en bas à gauche. Ok. Les gars, ça, c'est un ticket qui vaut de l'or. The Emirates Lounge. Aïe 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 aïe. Stylé. Le lounge, c'est un peu comme un grand salon luxueux où les gens qui sont en business et en première classe peuvent attendre leur vol. T'as des fauteuils un peu partout, tu peux regarder la télé, tu peux être sur l'ordi, manger ou boire ce que tu veux gratuitement parce qu'il y a un grand buffet. Et apparemment, on a même accès à une salle de bain. Je veux boire un café. Je vois qu'il y a une machine à café. Ça, c'est pour le fait. Je prends une petite tasse. Allez, c'est y part pour boire un expresso. Oh, ça fait du bien. Des céréales, du yaourt, des fruits, de la charcuterie, là toutes sortes de jus. Ah mec, ça me tente de ouf. Je vais prendre un jus après. De la vodka.
tôt le matin comme ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. J'ai pris un jus de carotte. Est-ce que peut-être que ça me rendra aimable? Je ne sais pas. Je suis en train de manger, donc mon premier repas de la journée, quand je vois qu'au loin, il y a un panneau avec écrit « douche ». Ça m'a intrigué, du coup, je décide d'y aller. Je découvre qu'on a donc des salles de bain à notre disposition. On a même des kits de bain qui nous sont offerts. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Ils me donnent des trucs que j'utilise même pas chez moi. Et voilà, j'ai vraiment tout le kit. Putain, c'est même la brosse à dents. Tout le kit de douche. Parfait. Dites-vous, là ils viennent de m'offrir une brosse à dents pour que je me lave les dents. Je sais pas comment le prendre du coup. C'est donc ça la vie de personne financièrement très 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 stable, bien plus stable que moi. Le premier mec qui voyage en première classe en suite. La business class gold, la business class silver et la first class. Et nous, je crois qu'on va passer par là. Bonjour. Merci. Merci. Bonjour. Non, première. Non, première classe tout droit, s'il vous plaît. Ça marche, merci. Ok. Ah oui, il n'y a personne. Welcome aboard. How are you today? Is this one, Mr. Lucat? My colleague is going to assist you to 4 kilos. And bonjour. Bonjour. Merci. Je m'appelle Awa. Je vais faire le service aujourd'hui à bord avec mes collègues. D'accord, bah enchanté. Bienvenue. Enchanté, merci. Je peux vous offrir quelque chose à boire pour vous installer. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Du champagne. Une coupe de champagne, c'est parfait. Parfait. Merci. Parfait ça. Si ça c'est pas du service les gars, c'est fou ce qui est en train de se passer. Regardez dans quoi je suis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Campagne de Pérignon 2008. D'accord, ok. Et là, vous avez des crèmes pour le visage et vous avez votre minibar ici. Si vous avez besoin de glaçons, vous pouvez nous demander. Ok, d'accord. Génial. Vous avez ici, comme je vous ai dit, l'appel pour appeler les coups. Et vous avez les derniers films. Merci, à tout à l'heure. Je vous en prie. On vient de m'apporter deux journaux. Je crois que je suis en train de devenir un Qatari là. Je suis tout déboussolé. Ce vol va bien se passer. Il est 9h50 du matin, on est en train de décoller et je bois du champagne. Non, sans rire, je viens de regarder sur internet, ils m'ont servi du Dom Pérignon de l'année 2008. La bouteille vaut 160 euros. Ça veut dire que chaque gorgée que je bois coûte presque 5 euros. On est là, dans l'espace. En fait, il y a des portes qui sont fermées. Simplement, on a bien sur le tour. Ça ferme, ça me crée ma propre cabine. C'est un truc de fou furieux. Et du coup, là, vous pouvez voir, je suis complètement isolé en fait. On a également une tablette qui nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut allumer ou éteindre les lumières qui sont tout autour de nous, ou même ajuster son siège de plein de façons différentes. Là par exemple, je suis en mode lounge. Enfin, ils appellent ça comme ça. Après, il y a plein de détails en plus. Par exemple, on l'avait vu tout à l'heure, mais un carnet. Bon, je l'ai ouvert. Je repose là. Stack. Ok, insane. Minibar privé. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une console. Je peux jouer directement à la console sur l'écran qui est là-bas. Il est midi, j'ai faim et il est l'heure de manger. Donc l'hôtesse m'apporte deux cartes. Une carte des vins et une carte des repas. La consigne est simple, je peux choisir ce que je veux. N'importe quelle boisson, que ce soit alcool, cocktail ou soft, et n'importe quel repas. Je vais donc découvrir pour la première fois de ma vie le caviar. Vous savez, moi je suis un mec pas comme les autres, je prends du caviar que quand je suis en première classe. Là j'ai pris un mocktail, c'est un cocktail sans alcool. J'ai l'impression d'être un prince. C'est l'heure du repas principal et j'ai commandé
bah, du coup du poulet avec un peu de ratatouille à côté. Oui, parce qu'on a le droit à entrée, plat et dessert. C'est mieux qu'au resto, presque. Ils vont même filer un petit café avec du chocolat. Je viens d'apprendre qu'il y a un bar dans l'avion, donc j'y vais. Oh, I'm making a vlog. A vlog, nice. So you have this mic. Oh, that's so cute. I like your hair. It's so cute. Yeah, thanks. Can I do? Here you go. You look so cute. Here you go. Did you? What do you want? Yeah. I want to do the same. Tell me how to do it. How happy. What's your name? Mahi. And you? Mahi, okay. Leonard. Like Leonard da Vinci. Leonard. And you? I'm Hilal. Hilal, okay. Champagne? Champagne, that's easy. This one or, yeah, or this one? This one? L'équipage était génial. Je suis en train de leur donner mon Instagram. D'ailleurs, vous aussi prenez mon Instagram. À chaque fois que je fais un tournage un peu fou comme celui-ci, je fais exprès de mettre des stories pour que ça vous tease les prochaines vidéos. C'est Léonard Verduca. Il est dans la description. Vous avez plus d'excuses là. Eh oh, faites pas genre. Vous suivez Squeezie, vous suivez Amixem, vous suivez Joyka, vous suivez Lena Situation. Moi, vous me suivez pas. Allez, on remédie à ça, s'il vous plaît. Miskin, là je suis en train de faire la manche d'abonnés. J'ai mis mon ego de côté. Un peu de sérieux, il est temps qu'on reprenne la vidéo. Hi. Français. Vous êtes de Paris? Orléans, à côté de Paris. Vous faites quoi, des vlogs, c'est ça? C'est ça. Comment tu t'appelles? Moi c'est Fatima. Fatima, ok. Ouais. Tu es de Paris aussi? Enfin, tu es de Paris? Je suis originaire de Montpellier, mais je vivais à Paris. Ok, d'accord. Ça marche. Elle me fait visiter du coup la chaîne. C'est Léonard. Tu connais pas, je suis très déçu. A tout. Bon, en gros, là, elle me fait visiter la classe éco et le reste de l'avion. Normalement, quand t'es en éco, tu rêves de visiter la classe première. Bah moi, c'est le contraire, j'étais en première, je voulais visiter la classe éco. Enfin bref. Après cette petite visite, j'ai commencé à fatiguer. Je vous ai dit, hein, tout à l'heure, j'ai fait une nuit blanche cette nuit. Donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse mon lit. Oui, c'est possible, quand on est en première classe, on peut transformer son siège en lit. Vous imaginez, il y a des gens, ça c'est leur quotidien. Oui, tenir juste la caméra pour voir ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Hyper bien. Merci. Je vous en prie. C'est fou, actuellement je suis allongé, mais complètement allongé genre. Regarde. Je veux vivre en première classe toute ma vie. Je veux voyager en première classe toute ma vie. Je me suis réveillé il y a genre 5 minutes et j'ai décidé de prendre une douche. Je rentre directement, j'ai ça, et les toilettes sont ici quoi. Ah, ça change des vieux toilettes qu'on a dans le train. Là c'est hyper stylé. Ils ont tout préparé. Ils m'ont préparé des petits produits, rasoirs, brosse à dents. Là j'ai un pyjama. What the fuck? What the fuck, j'ai un pyjama. Là je sais pas ce que c'est un espèce de kit où j'ai plein de trucs à l'intérieur. J'ai plein de produits, du parfum. Et ici, la douche. Une vraie douche. Oui, parce que quand t'es en première classe, tu veux prendre une douche dans l'avion. Et vous savez quoi? La douche est mieux que dans mon ancien appart. C'est scandaleux. Je viens de retourner m'asseoir. Et la vue est juste magnifique quoi. On va arriver bientôt à Dubaï. Regardez-moi ce ciel. Je sors de la douche. On m'a apporté ça. Bon, bah il est temps pour moi de profiter de ces derniers moments avec le luxe parce qu'on va atterrir d'une minute à l'autre à Dubaï. Regardez, c'est trop beau par le hublot. 3, 2, 1, 2, 1, c'est bon. Je suis bien à Dubaï et apparemment, le transport est pris en charge pour aller à l'hôtel.
gratuitement. En effet, j'ai appris en arrivant à l'aéroport que quand on voyage en première classe avec Emirates, on a le droit à un chauffeur à notre arrivée qui nous dépose où on veut. Je suis dans une belle Merco. You're going to IBS day. Yes. Après un tel voyage, il est vraiment temps pour moi de faire un résumé, vous croyez pas? Alors déjà, je vais direct casser le mythe. C'est pas parce que c'est le moins cher que c'est pas cher. J'ai calculé plein de destinations pour essayer de trouver la première classe la moins chère. Généralement, un Paris-Dubaï ou un Dubaï-Paris, c'est 6000 euros. J'ai payé ce billet d'avion, je sais pas pourquoi il était aussi peu cher d'ailleurs. Aucune idée, mais c'était le seul que j'ai trouvé à ce prix-là. 2700 euros. Sur toutes les destinations que j'ai épluchées, j'ai rien trouvé de moins cher en première classe. Le service était insane. Le personnel était là tout le temps pour moi. Toutes les 10 minutes, il y avait quelqu'un qui passait, qui me disait « Vous voulez ça? Vous voulez ça? Vous voulez ça ?» On m'a proposé, je pense, au moins une dizaine de fois un verre de champagne. Ce que j'ai mangé, c'était hyper bon, de très bonne qualité. Je sais pas si j'aurai l'occasion de refaire un vol en première classe dans ma vie. S'il y a des compagnies aériennes qui veulent m'inviter, allez-y, moi je fais une vidéo volontiers. Merci à Igral d'avoir sponsorisé la vidéo. Moi, en payant le billet d'avion de cette vidéo, j'ai récupéré 13,76€. En passant par le lien qui est dans la description, vous avez 10€ qui sont crédités sur votre cagnotte. Direct à l'inscription. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'on est à 71% du million d'abonnés. Peut-être qu'après cette vidéo, on va être à 72%. Peut-être qu'on va être à 73%. Ça dépend si tu t'abonnes. Voilà, si tout le monde s'abonne, on augmente petit à petit les pourcentages jusqu'au million. Pensez qu'on va atteindre combien de pourcents? À très bientôt. Ciao.